Le baron est là? Oh. Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Et moi, je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la Croisée des Chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi? Un sujet important et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Bonjour. Ardal, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris? C'est bien compris. Bon. Et bien, on est de retour sur le Witcher. Le gars, vous appelez sergent de l'armée de Demeria? Pas vos oignons, mon gars. Oh. Déserteur? Il n'y a plus d'armée de Demeria. Alors que faites-vous tous ici? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, on a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale, ou résister, rallier la guérilla et défendre notre Demeria bien-aimée jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Ouais, sous ses ordres. Le butage. Je vais vous dire où il est. Tes copains se le sont partagés depuis longtemps, le butin. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait, moi. Boucle-la. Économise tes forces. Essaye de mourir avec un peu de dignité, au moins. De Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. Ah, c'est la meilleure. Rumeurs et réalité font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Très juste. Je suis... Je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Plus le charisme, Geralt. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Ma foi. Pourquoi pas? Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Foutre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent? À celle de ceux qui lèvent leur verre? Ça me va. Oh, la physique de la cape, elle est incroyable. Je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Geralt de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Velen? Je passe. Marais, bourbier, tourbière, ici comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Cessez de tourner autour du pot. Ciri, c'est pour elle que vous êtes ici, non?
Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des bois l'avaient attaqué avant le village. Oh. La CIA. C'était moins une. Je dois filer d'ici. Elle a besoin d'aide. C'est dommage, le gameplay de Ciri pourrait être intéressant, mais il n'a jamais été trop poussé. Salut toi. Il y a vraiment que la dernière partie où le gameplay est vraiment cool. Un peu, je crois. Et toi? Mais voilà quoi, c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Si tu me disais où tu habites? À Valtigel. On pourrait te soigner là-bas. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Ton père, pourquoi t'a-t-il dit de suivre le sentier des douceurs? Tu as une idée? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée, mais mon papa a dit à quoi bon. Il a dit qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens. Je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc, énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même leur roi. Viens, je vais t'aider. Cache-toi, vite.
C'est chiant, je bourrine, hein. Quel massacre, causé par une créature aux griffes immenses. Bon. Ah. Évidemment. Hein. Quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais... Pas de mais. Reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. Arracher une jambe? Non, elle a été grignotée. Père, c'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle. Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Et plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? À quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chiens, aconites, petites ciguës et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Oh, des loups. Ici. Il doit y avoir un village ou une ferme d'enfants.
Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais ? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs ? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir ? Non, pourquoi faire ? Ils ont quoi manger au bout du chemin ? Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Laisse-moi. Tu as peur ? Et toi ? Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant ? Oui, planque-toi. Saloperie, ça. Eh bien, quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Vous avez des bandages à la maison, de l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Eh, monseigneur, il a le bras long, il vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené ? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite ? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. On s'y trop près. Et pour ma prime, alors ? Tu n'auras pas la moindre piécette. Faut le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût. Délicieux, merci. Je vais pas manger depuis. Ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretka peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposé. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et ? Ah, la suite devra attendre. La gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue ? Gretka ? C'est Nézouve. Elle est en cuisine.
Siri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle, c'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Siri ? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite. Tout juste. Je compatis vraiment. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Entendu. Je retrouverai votre famille. Mais vous me donnerez alors toutes les informations en votre possession. Vous avez ma parole. Garde, cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vus pour la dernière fois ? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par « disparu » ? Eh bien... Je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble. Tamara, ma fille, a eu 19 ans au printemps. Fine, à peu près votre taille. Elle m'arrive aux épaules. Des yeux magnifiques, verts, comme ceux de sa mère. Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers, même si elle se refuse à l'admettre. Une crinière noire, épaisse comme du goudron. Quel nous en chignon. Vous avez lancé des recherches ? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous ? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs... Vélène se résume à des marécages et à un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit ? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes ? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre. Qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mes chéris, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ces choses. Rien d'anormal. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent ? Ont-elles agi différemment, de manière étrange ? Inhabituel ? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits. Ok. Mes chéris. Oui, on a déjà entendu, désolé. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre ? Dans quel but ? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non ? Oui. Alors laissez-moi travailler. Entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour, elle remarqua une tête de cerf en plein milieu. Savez-vous ce qu'elle demanda alors ? Ok. Papa, t'as vu ? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur.
chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête. Un encens et une vieille clé. Je demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Taché de noir. Oh. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Bon, ramène la crampe. Je m'en gagne ici. Oh, c'est généreux. Il se régale quoi. Baron il dit rien. Ok bon. Verrouillé, ok, la clé. Hop. Un hôtel. Ainsi le feu éternel a gagné Velen. Pièce à explorer. Attends, on va aller voir le Greta. Tu cherches quoi ici? Là. Alors Ciri est venu ici. Une toupie. Elle appartient à Greta. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. L'obscurité naturelle des malédictions par Lydia Van Bredvoort. Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Fermé. Oh. Ce bon baron. Faut pacifier, faut pacifier. Tu dois être Gatka? Oui, et toi tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, tu as les cheveux blancs et un médaillon en forme de loup. C'est Ciri qui m'a parlé de toi. Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Ou ce qu'elle était venue faire ici? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Mais si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvé. Je me demande si elle a pu aider son ami. Ciri voulait aider un ami? Tu sais de qui il s'agit? Comment ça, qui? Son ami? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Ça te dit quelque chose? Ma toupie, où tu l'as trouvée? Dans la chambre de Ciri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Ciri l'a sculpté pour moi un jour où j'étais triste. Dommage qu'elle a dû partir.
Non, un jour je lui ai apporté le déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Cyril m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien, ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Merci, Gretka. Amuse-toi bien. Mais je m'amuse pas, moi, je travaille. Hmm. Vous allez tuer tous les monstres ? Tous ? Bon. Oh, t'es déjà haut, on verra bien. Hé, hey, Grison. T'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi tuité hier soir. Pam, 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 pam. Carrel. Vous avez fini de fouiner ? J'ai trouvé une poupée dans la chambre de Tamara. Que pouvez-vous m'en dire ? Hein ? En quoi une vulgaire poupée peut-elle vous intéresser, sorceleur ? Elle semble avoir été utilisée pour pratiquer la magie noire. D'où Tamara la tient-elle ? La magie noire ? Vous délirez ? C'est moi qui la lui ai faite. Elle avait 4 ans. Peut-être 5. C'était à Vizima, un jour de marché. En voyant la magicienne Triss Merigold, elle insista pour avoir une poupée à son effigie. N'ayant pas les moyens d'en acheter une, j'en ai fabriqué une de mes propres mains. Ça, Triss, sans vous offenser... Le travail, Manuel et vous, ça fait deux, non ? Prenez donc du bois et du chiffon et voyons quelle image d'une adulte vous pourrez produire. Ah, j'ai la nette impression d'avoir raté quelque chose. Un nouveau coup d'œil s'impose. Un chandelier en bois, cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Hmm. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Le baron et sa femme. Hmm. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Hmm. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Tiens, l'autre partie du chandelier et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'air Vélus. L'odeur est toujours forte. Demande où elle va me mener. Hmm. Bon sang. La piste disparaît. Je devrais viser la même chose, cela dit. Un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour. Vous avez fini de fouiner ? Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au dépoivreau. Vos hommes se saoulent à l'air Vélus.
Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par trois fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfuté, et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ça serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Bien. Chaman. Tirez votre épée. Tcha. Halte là. En garde. Je vous défie. Un peu grande, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je. Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment... de m'habiller trois tailles au-dessus. D'honorer demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs. En triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Pourquoi me défier? Je n'ai pas à souvenir d'avoir offensé damoiselle Myrtille. J'irai. J'irai que damoiselle Myrtille est la plus belle de toutes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vue. Je m'en vais laver votre insolence dans le sang. Maudit! En garde! Allez, amène-toi! Assez. Je me rends. Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... Retournez voir damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite! Avant que je me ravise et que je vous brise les os. Nous nous reverrons. Bon. Gardons un petit peu. Oh. Et on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Messieurs, plus vite que ça. Oh. Battez-vous. Y'a que des poules mouillées ici. Arrêtez-moi. Que diriez-vous de participer au tournoi? Rien de tel qu'un petit combat pour se changer les idées. Je vous préviens, Jonah est un vrai sauvage. Il mord comme un chien enragé. Alors, ça vous tente? Ma foi.
Très bien. Amenez-moi ce sauvage de Jonah. Préparez-vous à un combat épique entre Jonah et le vagabond. Fumée de saucisses et autres charcuteries au marché. À présent, il y a toute de la farine de blanc et de touffe de bardane. Joli. Le vagabond a terrassé Jonah. S'agit-il du futur champion de Velen? Seul l'avenir nous le dira. Vous devez encore vaincre l'enclume à la croisée des chemins et Goptou de Valtilleul, deux adversaires redoutables. De la vermine partout. Bon. Bien le bonjour. Tiens, 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 on va passer un peu de temps. Ça veut pas faire ça. Hop. Oh, on va aller jusqu'au matin. Alors, on doit avoir une quête ou deux là dans le coin. On a une quête là. Vous ferez moins elle fière quand les hommes du baron vous botteront plus. Vous voulez quoi? Ça doit être notre ami. Les braves dames. Les dames miséricordieuses. Je cherche un chasseur, un certain Nilen. C'est moi. Que voulez-vous? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel? Non, tout était normal. Elle avait l'air heureuse. Elle n'est pas partie avec un autre homme, si c'est ce que vous pensez. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma sœur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété 100 fois de ne pas sortir seule, mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis? Anna était... est... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Léna, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver, mais je ne vous promets rien. Ok. Et la personne qui retrouvera la fille du baron sera récompensée. Ok. Quête, c'est un contrat de sorcellaire.
pas une nouvelle fille? J'en ai plusieurs dont je peux me passer. Tu veux une part? Et moi j'ai un fils. Oh. Là, tu aimes le danger. Hein. Bon. Un petit coup. Que faites-vous ici? Vous ne devriez pas vous promener seule dans ces bois. Je suis venue vous dire, ne perdez pas votre temps à chercher Anna. Elle serait déjà revenue si elle était encore en vie. Je double la somme offerte par Nilaine si vous lui dites que sa femme est morte. Vous ne voulez pas savoir ce qui lui est arrivé? Je ne me fais pas d'illusions, sorcière. À Vélène, quand on disparaît aussi longtemps qu'Anna, on ne revient pas. Anna est morte, c'est sûr. Il faut que Nilaine l'accepte et tourne la page. C'est étrange. En général, les gens préfèrent connaître le sort de leurs proches. À quoi ça servirait? Ça ne me rendra pas Anna. Et Nilaine est tout ce qui me reste. Je ne veux pas le perdre, lui aussi. Il ne connaîtra pas la paix avant d'avoir accepté la mort d'Anna, même si ça le ronge de l'intérieur. Il mérite mieux que ça, le pauvre. Désolé. Quand j'accepte un travail, je vais jusqu'au bout. C'est donc vrai ce qu'on raconte sur les sorceleurs. Vous êtes des monstres sans cœur. Bon. Oh. Des marques de griffes. Au fond. Ce n'est pas un homme qui a fait ça. Des traces de griffes. La chair a été arrachée. Ça commence à devenir intéressant. Bon, c'est pas ça que je voulais. C'est sans doute Anna en décomposition. Ce qu'il en reste, il y a du sang partout. Pas de doute, c'est un loup-garou. Prudence. Du sang et des traces de pattes. Demande où elle mène. Merde, il est monté dans l'arbre. Je ne peux pas le suivre. Il y a peut-être d'autres indices au sol. Une touffe de fourrure. Oh. Son propriétaire n'a pas fait sa toilette depuis un moment. Ok. Des habits d'homme, en lambeaux, mais pas de traces de sang. Qui déchire ses propres vêtements et les abandonne dans les bois? Oh, tiens, tiens. Là, il y a la maison. On dirait une cabane de chasseurs. Ouais.
Oh. Il y en a un autre là-bas, je crois, qui va aller le faire. Ah, l'endroit est chouette. Il y a un château là-bas, apparemment. Ouais. Gambison Sidaria. Ok. Ok, ok, ok. Bah écoute, on va attendre quelques heures, je pense. On verra bien. Ah bah tiens. Cool.
l'impression que les loups, c'est des alphas en fait. Ah, puis il récupère de la vie. Bon, pour moi, je m'en suis débarrassé. Ok, bon. Ah, quel enfer. Ok, attends. Je l'aime. Sans vous, il serait déjà mien. Partez, fichez-nous la paix. Qu'est-ce que vous me chantez, là ? Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Même après avoir découvert son secret. Tu savais que je m'enfermais ici, en attendant que le mal passe. Je savais, et ça m'était bien égal. Mais tu as choisi Anna. Je voulais qu'elle te voie, qu'elle ait peur de toi. Je voulais qu'elle te quitte pour qu'on puisse enfin vivre ensemble. Alors tu l'as amenée ici, cette nuit-là. C'est pour ça que j'avais le goût du sang dans la bouche à mon réveil. Je l'ai fait pour nous. Je voulais qu'elle te voie, rien d'autre. Je n'ai jamais voulu sa mort, je te le jure. Non, je ne te crois pas. Et je vais te tuer volontairement. Ce sera une première. Non. Vous ne tuerez plus jamais personne, Hélène. Non ! Ne lui faites pas de mal ! Sortez d'ici avant que je change d'avis. Bon, par contre, il faut que je recule parce que sinon je vais me faire bouler. C'est problématique, hein. Voilà. Dommage que cela ait fini ainsi. Bon, un peu d'eau parce que on est empoisonné. Alors, et de nier. Peut-être un peu triste, hein, mais ils sont chargés. Alors, donc le coffre il est pas loin. Le souvenir il est dans le coin, mais où? Ah bah tiens. Ok. Hmm.
Bon, ben vous savez quoi? On va se quitter sur cette magnifique lune. On se retrouve très rapidement. À très très vite. Portez-vous bien. À la prochaine.